Bonjour les amis, j'espère que vous allez magnifiquement bien. Alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière qui vient à la demande de mon frère de cœur et associé, j'ai nommé le grand, l'extraordinaire, l'exceptionnel, Yannick Alain. En effet, Yannick réalise à l'heure actuelle un, un challenge qui s'appelle Impactant en 30 jours, où quotidiennement, il vous apporte un contenu euh, d'une grande valeur à travers des vidéos pour vous montrer, pour vous apporter des clés sur comment devenir plus impactant, que ce soit dans votre vie quotidienne ou dans votre business. Et tout récemment, euh, il a fait une vidéo sur l'intelligence relationnelle. Et c'est vrai que Yannick est un expert en la matière. C'est la vidéo numéro 17. Je vous invite à aller la voir. Bien sûr, allez voir aussi toutes les autres qui sont tout aussi passionnantes. Yannick a eu une question qui lui a été posée par Thomas. Thomas qui lui demande s'il était possible de développer à travers une nouvelle vidéo. Quelles étaient les compétences clés pour euh, développer un management d'excellence auprès de ses équipes Et euh, mon ami Yannick m'a donc demandé si j'accepterais de répondre à cette question de Thomas. Donc si vous vous intéressez au management, si vous vous intéressez au leadership, bien, restez avec nous euh, parce que je pense que c'est cela pour vous, pourra vous intéresser. Si ça ne vous intéresse pas du tout, bien, restez quand même avec nous, vous allez voir, on va au moins passer un moment sympathique. Tout d'abord Thomas, merci beaucoup pour cette question. Parce que je pense déjà que c'est essentiel de se poser la question. En effet, euh, j'accompagne au quotidien des managers, des dirigeants à développer une posture plus humaine dans leur pratique managériale. Et, euh, et c'est vrai que souvent je pose cette question-là aux managers que j'accompagne Aimeriez-vous être managé par vous Alors c'est vrai que la question peut paraître bizarre, mais ce que j'aime derrière cela, c'est le doute qu'il peut y avoir autour de la réponse. Euh, puisque, si on me répond, j'en sais strictement rien, mais c'est absolument génial. Dans le sens où cela veut dire que derrière, euh, on va mettre en place des choses pour pouvoir apprendre, pour pouvoir s'améliorer. C'est-à-dire qu'on met tout simplement en place le doute méthodique. Donc déjà, la première des choses, en effet, c'est se poser la question si on est oui ou non un bon manager et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer tout le temps, pour tout le temps progresser dans sa pratique managériale. Je dirais que la première des choses euh, en tant que manager, c'est qu'il va falloir apprendre à développer trois postures. Il va falloir apprendre à porter trois casquettes. Ces trois casquettes qui sont la casquette de commandant, la casquette de leader et la casquette de coach. Alors pourquoi cela Tout simplement parce que pendant très longtemps, euh, le manager a... Était plutôt assimilée à une posture de contremaître, c'est-à-dire vraiment la posture de commandant, notamment du fait de l'industrialisation, etc. Or, depuis maintenant un peu plus de dix ans, depuis je dirais une quinzaine d'années, on se rend compte que c'est une posture qui est devenue complètement obsolète, euh, et on le voit notamment avec l'augmentation des taux de burn-out, de dépression, etc. Tout simplement parce que progressivement est venue une perte de sens. On ne sait plus pourquoi on vient au travail, parce qu'on se retrouve dans un contexte avec de plus en plus de concurrence, où l'on demande d'aller toujours plus vite, plus loin, euh, avoir de meilleurs résultats pour euh, moins cher. Il y a une perte de sens. Il y a une perte de sens à travers cela. Parce que souvent, la réaction qu'il va y avoir, c'est du surcontrôle. Parce qu'il bah, y a une tempête. Or, quand on est un capitaine d'un bateau en pleine tempête, on ne peut rien faire contre la tempête. Il n'y a pas un bouton pour éteindre la tempête. Par contre, il nous est tout à fait capable, on est tout à fait capable, pardon, il nous est tout à fait possible de développer les compétences de l'équipage, de développer leurs connaissances, d'adapter euh, la voilure, etc. C'est-à-dire que on est maintenant dans une posture où on est obligé de remettre le coaching, le développement de nos collaborateurs au centre de la pratique managériale. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire, puisque si l'on regarde, euh, il y a eu des, une publication récemment euh, dans le Harvard Business Review qui montrait euh, quelle était la, la posture managériale dans la plupart des entreprises et quelle était la posture idéale dans les entreprises qui performaient le mieux. Et ce que l'on constate, c'est que souvent, ce qui est fait, c'est qu'on passe notre temps à faire du contrôle, du contrôle et du surcontrôle de, des tâches, de la réunion aiguë, etc. Et finalement, on passe peu de temps avec nos collaborateurs, à les motiver, à les impliquer euh, dans les différentes missions, à leur expliquer les tenants et les aboutissants, à développer leurs compétences, à les coacher. Or, les entreprises qui performent le mieux sont celles qui, justement, ont autonomisé au maximum ces tâches récurrentes et rébarbatives qui sont les tâches de contrôle, et de, et de réunion, et de... voilà, de manière à passer un maximum de temps dans l'accompagnement des collaborateurs. C'est-à-dire qu'on est même sur une règle des 20-80, c'est-à-dire 20%, -80, est -à -dire 20 de notre temps est, unique, est passé à euh, tout ce qui est contrôle et gestion, et 80% du temps est passé au développement des collaborateurs. Et d'ailleurs, euh, si l'on regarde les, les publications que l'on peut avoir sur les entreprises où il fait bon vivre, c'est hyper intéressant de voir que souvent les entreprises qui sont en haut du classement de celles où il fait bon vivre, sont en général les entreprises les plus performantes sur le marché. Citons Google par exemple aux États-Unis. En 2016, j'ai lu récemment que c'était Decathlon en France qui était euh, en haut du classement et en effet, on voyait une augmentation de la performance. C'est-à-dire que clairement, les entreprises qui ont compris qu'il était essentiel d'impliquer au maximum ses collaborateurs dans le sens, dans la vision, dans l'intérêt de ce que l'on fait, et surtout d'inciter de, de, à beaucoup plus d'initiatives, euh, les motiver à participer pleinement à, au développement de l'entreprise, ce sont celles tout simplement qui développent le plus de résultats. Alors pour cela, comme je disais, il y a trois postures à développer. La posture de commandant, la posture de leader, la posture de coach. Je vais me, de je vais me permettre pardon, de commencer par la posture de leader. Parce qu'en effet, on peut se dire que... Soit on est leader, c'est-à-dire qu'on est naturellement leader, soit on ne l'est pas. Alors c'est en partie vrai, il y a certains profils de personnalité qui ont une sorte de leadership naturel. Mais ça n'est pas complètement vrai parce qu'on peut tout à fait développer son leadership. Et quand euh, l'on regarde justement ce qui est dit autour du leadership, et notamment dans les dernières études, ce qui est intéressant c'est de voir que les deux premiers leviers, les deux leviers les plus puissants du leadership sont en un la chaleur humaine et en deux la compétence perçue. Et je dis bien perçue. C'est-à-dire que finalement, le premier levier, la chaleur humaine, fait que les gens vont pouvoir se reconnaître à nous. On est humain. Donc à partir de là, ça veut dire que l'on est au clair avec ses valeurs. On est au clair avec le sens que l'on donne derrière ce que l'on fait. Par voie de conséquence, on a envie de le transmettre, on a envie de le communiquer. On a envie d'être proche de nos collaborateurs et par voie de conséquence de créer une équipe, une cohésion. On n'est pas au-dessus de l'équipe, on est avec l'équipe. Et donc, tout simplement, l'équipe nous reconnaît comme faisant partie de l'équipe. Et donc, est capable de se mobiliser pour nous, comme ils savent que nous, on est capable de se mobiliser pour eux. Donc ça, c'est le premier point, c'est ce côté chaleur humaine. Le, je parlais de l'importance des valeurs, parce que, bien évidemment, être au clair avec ces valeurs, on sait que c'est la première source pour pouvoir créer une vision. À partir du moment où on sait quelles sont les valeurs que l'on veut véhiculer, et bien à partir du moment où on les transmet derrière à nos collaborateurs, ils peuvent s'identifier à nous. Ils peuvent se dire voilà derrière, il y a une valeur de, euh, de liberté, il y a une valeur de plaisir, il y a une valeur peu importe. mais en tout cas il y a une valeur derrière à laquelle on peut s'identifier, ce qui crée un pourquoi fort euh, et donc une véritable motivation bien plus inspirante, que ne peut l'être l'objectif L'objectif est important, le plan d'action est important, mais le moteur en général derrière tout cela, c'est le sens, c'est la vision, et bien évidemment, la vision vient très souvent des valeurs. D'ailleurs, il y a euh, la théorie bien connue du cercle d'or de Simon Senec sur le, le pourquoi, le comment et le quoi, où il explique très clairement la puissance du pourquoi, c'est-à-dire du sens que l'on met à travers les choses, qui est bien plus importante que la méthodologie, donc le plan d'action et l'objectif que l'on peut se fixer. Dans le volet leadership, bien évidemment, ce qui va être très important, c'est d'être aligné entre nos paroles, nos pensées et nos actes. On est très clair entre cet alignement, entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait, pour pouvoir bien évidemment être crédible. Parce que si nos collaborateurs savent que quand on dit quelque chose derrière, on ne le pense pas ou on fait complètement autre chose, bien sûr, ça, on n'aura aucune valeur, aucune crédibilité. Et enfin, je disais le deuxième point, ce qui est important, c'est... La compétence perçue. La compétence perçue, c'est-à-dire ce que les gens perçoivent de nous dans le sens où est-on capable de gérer la situation Alors, bien sûr, entre en compte les résultats là-dedans, mais pas uniquement. C'est-à-dire que c'est vraiment, au-delà des résultats, une attitude de confiance que l'on donne. C'est-à-dire que les gens se disent Waouh, ouais, il a la scie suffisante pour pouvoir gérer la situation. Donc, si on croise ces deux données, que sont à la fois la chaleur humaine, et la compétence perçue, ben, qu'est-ce que l'on obtient Le, La première chose, si on a par exemple une chaleur humaine faible et une compétence perçue faible, ben, tout simplement, on va générer du mépris. On va générer du mépris parce qu'à la fois on se demande qu'est-ce qu'on fait là, et en plus on n'est même pas sympa. S'il y a à la fois une chaleur forte et une compétence faible, eh bien tout simplement on va générer de la pitié. Ah, il est bien sympathique, il est bien gentil, mais il ne sait pas faire grand-chose. Si on a une compétence forte, et une chaleur faible, et eh bien par voie de conséquence, on va provoquer de la jalousie. De la jalousie, parce que tout simplement certes on est doué, mais à côté de ça, on est très désagréable, on n'est pas sympa, on n'est pas perçu comme sympa. Et enfin, s'il y a à la fois une chaleur forte et une compétence forte, c'est là où on va provoquer de l'admiration. C'est là où on va devenir inspirant et c'est là que vraiment on va développer un leadership. Donc voilà pour ces deux points qui sont la chaleur humaine. Et la compétence perçue. l'autre casquette, comme je le disais, qu'il va falloir apprendre à développer, c'est la casquette de commandant. la posture de commandant, normalement elle doit être mise en place dès le début. c'est un peu les fondamentaux du métier, donc chronologiquement, c'est d'abord ce par quoi l'on doit commencer, c'est-à-dire que c'est grâce à cela qu'on va mettre en place le cadre de fonctionnement commun. et même très clairement, il n'y a que quatre situations où on est amené apprendre à, à mettre cette casquette de commandant. si vous en connaissez d'autres, je suis largement ouvert à la discussion. ça m'intéresse. mais pour l'instant, je n'en ai vu que quatre. la première situation, c'est la fixation, justement, du cadre de fonctionnement commun. la deuxième, c'est le contrôle et le respect de ce cadre, pouvant aller jusqu'au recadrage. la troisième situation, c'est la gestion d'urgence. il peut arriver, en effet, que la maison brûle, il peut arriver qu'il y ait une situation importante à gérer. Et donc, par voie de conséquent, on n'a pas de temps à perdre, là, il faut aller dans le commandement. Et enfin, la dernière situation, c'est la décision finale. Puisqu'en effet, en tant que patron, en tant que manager, en tant que dirigeant, c'est notre rôle aussi de prendre la décision finale face à différents choix. À un moment, il faut bien trancher. Donc, je dirais qu'en dehors de ces quatre situations, je ne vois pas en quoi il est nécessaire d'avoir la posture de commandant. Il peut être même néfaste d'avoir cette posture de commandant en dehors de ces situations-là. Donc, euh, à la fois, il est important de mettre en place les choses d'emblée, dès le début, de montrer que dans tous les cas de figure, on va demander à ce que le cadre de fonctionnement soit respecté, qu'il y a certaines, situ certaines situations qui sont des situations exceptionnelles, où en effet, là, il va falloir... Euh, obéir aux ordres, parce que c'est la situation qui, qui, qui l'oblige. Mais en dehors de ces situations-là, c'est-à-dire plus de 80% de notre temps, eh bien, il y a des choses beaucoup plus sympathiques à faire, et notamment ben, la posture de coach. L'objectif, ça va être de développer les capacités, développer les connaissances, développer les habiletés de notre équipage en tant que capitaine du navire. Et donc, quoi de mieux que euh, la posture de coach, en effet, tout le monde le sait, il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner du poisson s'il a faim. Ça lui, ça lui permettra de s'autonomiser. L'objectif, d'une certaine manière, c'est presque de, de faire en sorte qu'au bout d'un moment, ils aient même plus besoin de nous. C'est-à-dire que que euh, on ne soit là qu'en cas de besoin, on soit là pour euh, pour les aider en soutien, mais que l'essentiel le, du temps nos collaborateurs soient complètement autonomes et sachent exactement ce qu'ils ont à faire. Et pour ça, c'est avec la posture de coach qu'on peut amener à cela, dans le sens où on va être là pour les soutenir, on va être là pour les aider à développer les compétences, pour les aider à se responsabiliser, pour les aider aussi à proposer des choses, pour les amener, leur demander vraiment de s'investir, euh, donner du sens à ce qu'ils font, notamment en étant force de proposition. Alors pour cela, bien évidemment, l'essentiel, ça va être de mettre en place une posture de coach, c'est-à-dire une posture de soutien, une posture de responsabilisation, une posture adulte-adulte, où on demande à l'autre de s'investir et on demande à l'autre ben, de chercher des solutions. Donc pour cela, je pense qu'il est essentiel maintenant, en tant que manager, de se former aux techniques de coaching. Alors il y en a plein, mais je pense qu'il est essentiel au moins d'apprendre certaines techniques de coaching, les, les fondamentaux pour pouvoir coacher nos collaborateurs. Et je pense même qu'il est extrêmement intéressant de se former à des techniques d'analyse euh, de personnalité notamment. Alors il, y en a, il en existe plein. Euh, pour ma part, j'enseigne euh, la process communication, mais il y en a plein d'autres, comme par exemple l'énéagramme, qu'enseigne, euh, je dirais, mon autre frère de cœur et, et, et associé, qui est Nicolas Pen, euh, qui est un brillant enseignant d'Enéagramme. Il y a d'autres techniques comme le MBTI, etc. Et il y en a plein. Et je pense que ces techniques-là sont aussi extrêmement intéressantes dans cette posture de coach parce que ça nous permet déjà de nous ouvrir à l'idée que tout le monde ne fonctionne pas comme nous chacun a ses forces chacun a ses facteurs de stress chacun a ses comportements sous stress chacun réagit différemment et donc par voie de conséquence quand on a conscience de cela et qu'on arrive à identifier les comportements de chacun qu'on arrive à identifier les forces de chacun mais ça devient extrêmement intéressant euh, puisque on arrive à mieux prévenir le stress, on arrive à le régler quand il vient, on arrive à apporter des solutions, on arrive à motiver les gens parce qu'on connaît ce qui les motive, on sait ce qui les motive euh, au plus profond d'eux-mêmes. Donc, je veux dire, c'est extraordinaire d'avoir en plus cet outil-là dans la poche pour pouvoir adapter et faire du sur-mesure euh, auprès de chacun de nos collaborateurs. Donc, voilà, je dirais, dans l'ensemble, commandant leader coach les trois grandes casquettes du manager si vous avez des questions euh, pour pouvoir aller encore plus loin puisque bien évidemment j'ai été obligé de faire court n'hésitez pas euh, ça sera un plaisir pour moi de vous répondre en attendant si cela vous intéresse euh, début mars normalement je mettrai en ligne sur mon site internet donc wwwclément 6 bergoncom euh, un livret euh, gratuit un e-book euh, gratuit sur comment développer son leadership avec la posture de manager coach, où vous retrouverez ben, ce que l'on vient de dire, mais même euh, des choses beaucoup plus détaillées. On ira beaucoup plus loin dans ce livret-là. Donc, vous pourrez le télécharger gratuitement début mars. En attendant, si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas. En tout cas, encore merci euh, Yannick pour euh, de m'avoir proposé de répondre à, à cette question, puisque je me suis régalé. Comme tu le sais, c'est un, un domaine euh, qui me passionne. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye.